En tout cas, j'ai passé un bon moment, du stress évidemment, parce que c'est un concours, mais dans la bonne humeur, pas de tension entre les candidats, vraiment bon enfant. Évidemment, il y avait beaucoup de familles ou d'amis à venir supporter les différents candidats des différentes régions. Donc non, non, vraiment un bon moment. On est fatigué à la fin de la journée, mais par contre, voilà, la journée est très agréable. Quand on a la chance d'aller jusqu'à la finale, c'est des bons moments. C'est des bons souvenirs. Donc n'hésitez pas. C'était fou d'y être. C'était fun d'y participer. Et sur la fin, bah, j'étais fier de moi. On va dire que quand je vendais entre 5 et 10 burgers par jour, j'étais content. Les jours qui ont suivi la finale, j'ai vendu 50 burgers minimum par jour. Donc ça a été vraiment du tonnerre. Les gens m'ont vu à la télé, m'ont entendu à la radio. Donc ça a vraiment ça a été un boom énorme. Le conseil que je peux donner à de futurs candidats, c'est de bien préparer le concours parce que c'est un vrai concours, de bien travailler le produit, de l'essayer, de le répéter, de recommencer plusieurs fois les mêmes opérations pour arriver à un burger vraiment abouti.